Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 10 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match en Coupe de France contre Toulouse, les huitièmes de finale contre le TFC. Ensuite, un match contre le SCO d'Angers à l'extérieur et un match à domicile contre Marseille en championnat. On va juste faire trois matchs dans cette vidéo. Ensuite, on achète un nouveau recruteur pour bien améliorer notre centre de formation. Donc, on a deux recruteurs. Sinon, premier match contre Toulouse à l'extérieur en Coupe de France. C'est parti pour les huitièmes de finale. Swear to God that I put that on my life and I'ma try my best to love forever to enlighten. I'm a spaz, baby, I'm a knight and I'm a glide, take off and fly. If you wanna stun me, nigga, keep on trying. If I leave, I'm not leaving in silence. You won't see me cry. You gon' see the fire in my eyes. If I go, I'ma start a riot. I'm fighting for. Fin du match, excellente victoire 4-0 contre Toulouse. On a tiré 16 fois pour 11 tirs cadrés. Très bon match de nos joueurs. Lacazette a marqué un très beau doublé, surtout un très beau coup franc à 28 mètres du but qui rentre en pleine lucarne et il est nommé homme du match avec une très bonne note de 8,7. Sinon, Maxwell Cornet et Beauvue ont marqué aussi. Beauvue qui a marqué donc sur penalty, c'est lui qui l'avait provoqué. Passe décisive de Valbona. Grenier, Raphaël a aussi fait une passe décisive. Très bonne victoire 4-0 contre Toulouse. On peut voir que beaucoup de grosses équipes ont fait un faux pas en étant éliminées directement. Monaco a perdu contre Nantes 2 buts à 1. Paris pour Paris qui perd contre l'Estac de Troyes. Des résultats assez surprenants. Et nous sommes donc favoris pour remporter la coupe. On se qualifie donc pour les quarts de finale où on rencontrera l'en avant Guingamp. Prochain match contre Angers en championnat à l'extérieur. On fait tourner l'équipe avec Gabriel Fekir en attaque. Nouri est titulaire en MOC. Mbemba est en milieu défensif, Rose Umtiti en charnière centrale et Mendy et Grimaldo sont sur les côtés. On voit que nous sommes premiers du championnat avec un match de retard sur Paris qui est deuxième. Et le match qui commence bien pour nous avec Nouri qui réussit à avoir la balle avec un contre favorable, son tir est arrêté par le gardien. 20e minute de jeu, Nabil Fekir va faire un excellent travail sur le côté droit à la suite d'une touche. On voit qu'il dribble les joueurs, il centre sur la ligne et Gabriel parvient à reprendre la balle de la tête. 1-0 à la 22e minute, but de notre jeune Brésilien de 18 ans, suite à un très bon centre de Fekir. 3 minutes plus tard, on retrouve Nouri pour un 1-2 avec Mbemba. Il sert Fekir dans la profondeur et Fekir qui se présente face au gardien et la glisse sous le portier d'Angers. 2-0 à la 27e minute, Fekir qui était passeur et maintenant buteur. Bonne passe décisive de Hakim Nouri. On voit ici la finition de Nabil Fekir sous le gardien. 35e minute de jeu, Nouri sert parfaitement Gabriel en profondeur. Le Brésilien crochette puis frappe, mais s'est repoussé en corner par le gardien. Belle action de nos jeunes joueurs. La frappe du droit est sauvée. Et Angers qui va égaliser juste avant la mi-temps grâce à un beau service de Camara pour Aurillac qui ne laisse aucune chance à Nardi, notre jeune gardien. Réduction du score avant la mi-temps à la 45e minute. 2 buts à 1. Et nos adversaires qui continuent de se montrer dangereux sur coup franc avec Sounou qui tire, mais c'est bien arrêté par Nardi. 64e minute, une occasion pour nous avec Gabriel qui tire, ça passe à côté. À la 76e minute, Sounou est sur le côté droit, il centre pour Odaé.
Petit cafouillage avec Umtiti. Il réussit à frapper sur le poteau, heureusement pour nous. Victoire 2 buts à 1 contre Angers. Une victoire compliquée. Angers qui a tiré 4 fois pour 2 tirs cadrés. 8 tirs pour nous, 5 cadrés. Nabil Fekir est nommé homme du match pour un but et une passe décisive. Fin du match, bonne victoire 3-0 contre Marseille. Pourtant, on n'a pas eu énormément d'occasions. 6 tirs, 5 cadrés pour nous. Gonalon est nommé homme du match avec une très bonne note de 8,4. But de Beauvue, Lacazette et Dardère. Passe décisive de Valbuena, Fekir et Raphaël. Raphaël qui fait son deuxième match d'affilée avec une passe décisive, donc c'est pas mal pour notre défenseur droit. Dans cette vidéo, on aura joué 3 matchs, victoire 3-0 contre Marseille. Victoire 2 buts à 1 contre Angers et une victoire 4-0 contre Toulouse. Donc une vidéo parfaite où on aura gagné tous nos matchs. Prochain match contre Arsenal en 8ème de finale de Champions League, ça va être très compliqué. Un match contre Lille à l'extérieur en championnat. Un match contre Bordeaux en championnat à domicile. Et un dernier match contre Paris à domicile. Donc des gros matchs dans la prochaine vidéo, surtout en Champions League. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donnez-moi des conseils dans les commentaires aussi, si vous avez des choses à améliorer. Merci d'avoir regardé, salut!